To be here this morning, this evening. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. I greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. Nous avons très bien chanté ce cantique, le numéro 27. We sang very well this song. Et nous espérons que nous comprenons le contenu. We understand that we understand the contents of the song. Puisque il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer. There are things that we cannot explain. Ceci, we understand ourselves why this. Mais bientôt nous comprendrons tout. Pretty soon we're going to understand. Alors fortifions-nous dans le Seigneur. Sachant que le Seigneur est fidèle. Knowing that the Lord is faithful. Il nous fera comprendre tout. He will make us to understand nous everything. Comprendrons tout correctement. We understand everything correctly. Comme David qui pouvait se demander. As David could say. Pourquoi les méchants prospèrent? Why the wicked go dans forward? Le Psaume 73. Psalm 73. Mais il lui a été montré. It was said to him. La fin de la vie. At the end of the life. Et il a pu comprendre. And he understood. Que ces gens-là sont sur une pente glissante. That those people go astray. Mais nous devons comprendre, bien-aimés, we understand, beloved brothers, ce n'est pas parce que nous manquons ou les difficultés qui peuvent nous déranger, it's not difficulties, mais nous comprendrons tout correctement quand le Seigneur va venir. We understand everything correctly once the Lord comes. Alors, nous voulons continuer avec à nous approfondir dans la pensée que nous avions le dimanche. We wanted to go deep into the thought that we taught last Sunday. Parlant de l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Speaking about the covenant that we have with the Lord. Nous avons pris partant de l'exemple d'Abraham. We went from Abraham examples. Montrant que Abraham a eu à faire toutes ces trois expériences. Showed that Abraham had these three experiences. Il a été justifié. He was justified. Par la foi. By faith. Abraham a été sanctifié. Abraham was sanctified. Lorsqu'il a cru. When he believed. Et qu'il a, on lui a, il devait offrir le sang. And he had to offer the blood. Ce sang-là. That blood. C'était un sang pour sceller l'alliance. It was the blood to see the covenant. Et après Abraham. After he word. Dieu lui a donné un signe. He gave him a sign. Le signe de l'alliance. The sign of the covenant. Qui était la circoncision. That was the circumcision. Et c'est le type du Saint-Esprit. That's the type of Holy Spirit. Que chacun de nous membres de cette alliance nous devons avoir. That each one of us has to have. Alors nous continuons la pensée. Continue the thought. Nous approfondir et désirer vraiment que le Saint-Esprit nous remplisse. You go deeper to that thought. Il y a beaucoup de choses que nous nous soucions actuellement. There are many things that we mais la réponse thoughts, est si simple. But the solution is simple. Sans le Saint-Esprit, without the Holy Spirit, même l'unité de l'Église ne peut even, pas avoir lieu. Even the unity of the church cannot take place. Nous sommes baptisés dans le même esprit. Because we're baptized in the pour same spirit. Former un seul corps. To form one body.
C'est pourquoi nous sommes déçus parfois. That's why we are deceived sometimes. Nous voyons des gens, vous vous dites, ça c'est vraiment le frère. You see people who say, mais s'il n'a pas cette expérience là, if he does not have that experience, il n'y a rien que vous pouvez lui donner pour l'arrêter. There's nothing you can il give faut him que chacun de nous fasse l'expérience réelle. Each one of us has to have experience. Need to be born again. Soit baptisé du Saint-Esprit. Need to be baptized of Holy Spirit. Nous allons lire. Wait. Dans le livre de Actes des Apôtres. In Acts of Apostles. Nous lisons dans Actes chapitre 7. Chapter 7. Nous lisons dès le verset 2. Verse 2. Étienne répondit, homme frère et père, écoutez le Dieu de gloire, apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser des pieds, mais il promit de lui donner la possession ainsi qu'à sa postérité après lui, quoiqu'il n'ait point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira à la servitude, on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la maison à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Verset 8. Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision et ainsi... Il le circoncit le huitième jour. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit le huitième jour. Isaac engendra Jacob, et Jacob les douze patriarches. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Vous pouvez vous asseoir. Je May be seated. Je prends encore le verset 51. Verse 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avait point gardé. Vous voyez le verset 51, il parle de la circoncision du cœur. Verse 51, it talks about circumcision of the heart. Vous, peuple incirconcis de cœur. You people uncircumcised of heart. Vous voyez ici Abraham. You see what here, Abraham. Plutôt, c'est Étienne qui parle d'Abraham. Stephen, speaking about Abraham. Il est en train de retracer totalement la vie d'Abraham. He's talking about the life of Abraham. Il dit, votre père Abraham. Say your father Abraham. Il a reçu les promesses de Dieu. You see the promises. Dieu lui a God. Dit que le pays dans lequel tu es, I said the land which you live in. Ta descendance séjournera. Your offspring will sojourn. La promesse. That was a promise. Que Dieu lui avait faite. That God gave. Mais him. Quand Dieu lui faisait la promesse, when he gave him the promise, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Abraham did not have any Il child. Il n'avait rien. Mais anything. Dieu lui parlait de la descendance. I gave about the offspring. Et après, Dieu a scellé cette alliance avec Abraham. Afterward, God sealed the covenant. La promesse qui lui a été faite. The promise that I gave him. Nous avons des promesses aussi. We have promises Mais as well. Il faut que Dieu nous donne cette assurance. But God needs to give us que the les promesses assurance que nous attendons. That the covenant that we're waiting for. Nous allons les expérimenter. We're going to experience them. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Dieu va demander à Abraham. God said to Abraham. Prends les animaux. Take animals. Comme nous les avions étudiés le dimanche passé. And you study last Sunday. Et tu vas les couper. You're going to take it off, cut them off. En morceaux, tu mettras les deux parties. In many pieces. Et quant aux oiseaux, les When tourterelles, birds, les pigeons, tu ne vas pas les couper. Not going to cut them. Et il a dit, tu ne vas pas les couper. Not going to cut them off. Alors,
Abraham a observé tout cela. Abraham observed et all these l'obscurité things. Est venue. And when the darkness came, Dieu a brûlé et consumé tout ce qu'il avait God burned offert everything. Comme offrande. Et Dieu lui dira alors, God said to him, voici l'alliance que j'ai fait avec toi. This is the covenant I'm going là, to do on est maintenant you. Dans Genèse 17. Genesis 17. Il va lui dire, he said to him, tout mal all the mail de ta maison from your house sera circoncis. Be circumcised. Ceci sera le signe de l'alliance should be the entre sign of the covenant toi et moi between you et ta descendance and your descendants. Et la Bible nous montre que and the Bible shows us Israël a observé cela. Israel observed this après Abraham. After Abraham, Isaac a été circoncis. Was circumcised. Il a circoncis aussi ses enfants. He also circumcised his children. Qui Jacob. Est dans la lignée, Esaü bien sûr, mais Jacob also, était circoncis. Jacob was et Jacob aussi l'a fait pour les 12 patriarches. Jacob also did for his children. Nous connaissons même la vie de Moïse. You know the life of Moses. Comment Dieu voulait le frapper? Moses, God wanted to strike him. Son fils n'était pas circoncis. Because his son was not circumcised. Alors la circoncision était une marque pour toute la descendance d'Abraham. Circumcision was the mark for the offspring of Abraham. Et si vous voyez Abraham, if you see Abraham, Dieu l'a séparé. God separated him. Il l'a séparé du pays où il était. From the country that he used to live before. Quand, comme Étienne est en train de le dire, as Stephen said, il l'a fait sortir. He took him il out. Est allé à Charan. Là, son Canaan. Père est mort. Il l'a séparé. Il l'a amené en Canaan. He separated him. Mais Abraham devait avoir une marque. Abraham had to have cette the mark, marque dans la chair the mark in the body, qui le différenciait that was about to des separate gens him parmi lesquels il vivait. From other people. Et les gens même qui parlent de l'histoire d'Israël, people who talk about Israel, même history, dans notre temps, in our times, quand le mouvement de Hitler et tout cela, ils ont Hitler tué les nazis, place, tué les juifs, parmi Israelites, un des signes par lequel on reconnaissait les Juifs, one of the signs that we had, tous les Juifs sont circoncis. All the Israelites were circumcised. Ce sont les descendants d'Abraham. They were the descendants of Abraham. Mais ça, c'était dans la chair. That was in the flesh. Et Dieu a voulu que God wanted chaque descendant each descendant d'Israël of Israel puisse avoir d'Abraham puisse Abraham avoir cette marque. Have the seal. Et ça, ils ont observé. They observed these things. C'était le signe de l'alliance. That was the sign of the ça covenant. Les distinguait. That was distinguishing des autres personnes. From other people. Aujourd'hui, today, ce qui va nous distinguer, that we're going to ce n'est pas quand us nous allons traîner des brochures dans it's nos not épaules. Having the brochures. Ce n'est pas la Bible dans l'épaule. It's not the Bible. Ce n'est pas important des signes it's de not croix having the sign of the cross. Ou avoir le signe des nuages. To have the sign of the cloud. Ce qui peut nous différencier that will distinguish us de tout le reste of all the rest, c'est le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Seul le Saint-Esprit en nous only the Holy Spirit in us crée la différence, create the difference entre la descendance, ceux qui ont la foi, between the descendants et ceux qui ne l'ont pas, and those who have not have the faith. Puisque Dieu ne donne pas le Saint-Esprit sur base des œuvres. God does not give or Holy Spirit according to the la works. La promesse a été faite à Abraham, the promise he was given et to Abraham à sa descendance and all his descendants. Et si vous venez dans le Nouveau Testament, if you go to New Testament, dans Galates, Galatians, au chapitre 3, chapter 3, vous verrez que la descendance d'Abraham, the descendant of Abraham, qui a été promise, that was promised, cette descendance reçoit aussi le Saint-Esprit. That descendant takes the Holy Spirit. Ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. They receive the Holy Spirit. Regardez Galates chapitre 3. Galatians chapter 3. Au verset 3 aussi. Verse 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham.
Êtes-vous là? Are you there, church? Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à tout le monde. To c'est seulement à la descendance d'Abraham. Only to the descendant et of cette Abraham. Descendance d'Abraham, that descendant of il Abraham. A la foi d'Abraham. They have the faith of Abraham. Et la Bible continue en disant, the Bible continues saying, aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Et si vous venez au verset 13, verse 13, on vous dit alors, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Enfin, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ainsi, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est Dieu qui a fait ça ainsi. God did it. Il a voulu que Christ porte nos malédictions pour que nous nous recevions la bénédiction d'Abraham. So can receive the blessing ainsi, Abraham. Bien-aimé frère, so beloved, le Seigneur, en donnant le Saint-Esprit, the Lord by giving the il Holy ne Spirit, donne pas sur base des œuvres, does not give based upon il the ne works. Donne pas sur base d'une autre, d'une, de quelque chose d'autre, not based upon anything else. Il le donne sur base de la foi. Based upon the faith. Puis c'est pour la descendance d'Abraham. She's for the descendants ceux qui croient Abraham. Comme Abraham croyait. Those who believe according to Abraham. Et ceci était un signe de distinction. That was the sign of aujourd'hui distinction. Encore, today again, la Bible nous dit, the Bible says, dans 2 Timothée au chapitre 3, 2 Timothy chapter que 3, vous aurez à la fin des temps, you're gonna have at the end of les gens ont l'apparence de la piété, people have the appearance mais of ils renient ceux qui en font la force. They don't believe the swing of 2 Timothée chapitre 3, 2 je crois Timothy au verset chapter 5, 3, verse 5, ceux qui font la force, that give us strength. Cette apparence que on doit avoir, the appearance that we ça have ne doit to pas have. Être quelque chose qu'on imite. It's not going to have ça ne doit pas être imitate. Un masque qu'on porte. That's not the behavior. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on se voile. It's not something that we put non, on the veil. Pour se cacher. Non. To hide ourselves. Non, non, non. Ça doit être plutôt conduit par une puissance. It needs to be led by Holy Spirit. Mais alors, quand les gens doivent s'associer, regardez, lisez together, ça pour que vous puissiez comprendre. De Timothée. Second Timothy. Prenez ça pour que vous puissiez comprendre et l'ordonnance qui est donnée là-bas. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Chapter 3 verse 5. On parle de ça, de ce qui va arriver dans les derniers temps. Verset 5. Ils ont l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éloigne-toi de ces hommes-là. Get away from these people. Ça, c'est l'ordonnance de Dieu. That's the ordinances of God. Et c'est pourquoi encore aujourd'hui, that's why again today, ceux qui réunissent le Saint-Esprit, those who declare the on Holy ne peut Spirit pas s'associer cannot go the wrong avec les gens qui ne croient pas que le Saint-Esprit est là. With those people who qui do ne not croient believe pas que Dieu baptise le Saint-Esprit aujourd'hui, the Lord baptized the Holy Spirit, qui disent que le temps des miracles est déjà passé, the time of miracles is past, que Dieu n'a donné le Saint-Esprit qu'aux apôtres, God gave the Holy Spirit only to the apostles, ou encore ceux qui pensent que le Saint-Esprit ne viendra qu'à la pluie de l'arrière-saison. Only to those people come la Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. Get away from these people. Ça, c'est l'ordre de Dieu. That's the puisqu'il est réuni ceux qui font la force. Because they didn't love that c'est pourquoi le véritable enfant de Dieu, ce qui nous distingue, ce qui fait us que nous puissions nous associer, that's what ici nous sommes réunis, to be alone, c'est pour invoquer, to pour pray, que l'Esprit descende, the Holy que l'Esprit nous anime, to come down, que l'Esprit habite en nous. The Holy Spirit among us. Ce n'est pas, bien-aimé frère, it's not beloved, des associations où les gens réunissent le Saint-Esprit. To deny the Holy là, Spirit, on ne peut pas prendre part. Cannot get along with those et people. Si, bien-aimé frère, so beloved, ça, c'était ce que Dieu a fait avec Abraham. That's what happened with c'est Abraham. Ce qu'il fait aussi avec la véritable Église. He does the same thing la véritable us. Église cherche ce qui fait la puissance. The true church look for the power de la vie. Of the life. Ce qui peut faire en sorte que that's gonna help je puisse us être véritablement chrétien. To be a Christian. Ce n'est pas ce que moi je veux faire. This is not what I want. Mais c'est ce que le Saint-Esprit peut produire what en moi. The Holy Spirit can produce in me. Alors, bien-aimé, so beloved,
Quand nous voyons cela, when we see these nous things, pouvons désirer et prier de tout notre cœur, voulant faire les véritables expériences de Dieu. Experiences of God. Mais le problème qui se pose, but the problem, c'est que les gens ne connaissent même pas ce qu'il s'agit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? People don't know about Holy Spirit. Il y a plusieurs définitions que les gens veulent s'apporter. There are many definitions. D'autres, quand ils le définissent, people define Holy Spirit. C'est comme si quelque personne ne peut l'avoir même aujourd'hui. There's no one can have it today. Vous verrez par exemple, on vous dit. See for instance. Le baptême du Saint Esprit. They say the Holy Spirit. Au début. At the beginning. Quand ils l'ont eu. When they took it. Les gens ont parlé en langue. People spoke in tongues. Il y a eu des miracles. They had miracles. Ça, ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. It's not the evidence of Holy Spirit. Comme dit le prophète, as the prophet vous pouvez used to vivre say, dans la maison du roi, mais vous n'êtes pas roi. You can live in the house of the king, but you are not a king. Ce n'est pas l'onction qui vient, it's not the atonement qui peut nous rassurer que nous l'avons reçu. That may assure us. Il faut connaître l'identité même de ce que vous cherchez. We have to have the identity. Sinon, si vous ne connaissez pas, otherwise, vous pouvez vous mettre à chercher ce que vous ne comprenez même pas. You can look for something that you don't know what you're looking for. Aujourd'hui, j'ai déjà donné cet exemple. I gave that example. Je l'avais pris bien sûr du prophète. Last times. Là où il parlait du Saint-Esprit. When the prophet used to speak about the Holy Spirit. Si vous prenez aujourd'hui, nous avons laissé beaucoup de véhicules là-bas dans le parking. We left many vehicles in the parking line. Et si vous allez là-bas pour démarrer, if you go over there to start your, vous devez connaître un quelle est la clé qu'il faut. You have to know the key. Et de deux, vous devez savoir aussi second, you have quelle to know est la réaction qui se produit quand le véhicule démarre. The reaction of the car. Sinon, vous pouvez abîmer même le démarrer. Otherwise, you can break down. Puisque vous ne savez même pas quand est-ce que vous l'avez eu. Because you don't know anything about it. Nous ne savons pas expliquer le Saint-Esprit. Don't know how to explain the Holy mais Spirit. Mais nous en connaissons les effets. But we know the effect. C'est comme le courant, vous l'avez. That's what electricity we have. Nous ne savons pas expliquer le courant. Don't know how to explain the mais nous connaissons les effets. We know the effect. Nous savons que lorsqu'il est là, you know that when there is electricity, la lumière est claire, the lights, les ténèbres s'en vont. There is no darkness. Nous connaissons les effets. We know the effect. Mais nous ne savons pas expliquer ce que c'est le courant. We don't know how to explain the electricity. On va vous parler les diodes, les ceci, les cela, diodes, vous ne comprenez pas. Et c'est lui-même qui parle, il ne sait même pas de quoi il parle. You don't know what you're talking c'est quelque about. Chose de mystérieux. It's mysterious things. C'est tellement au-delà de ce que les hommes peuvent it's même réfléchir. Beyond what people can explain. Mais nous connaissons les effets. But we know the effect. Et cela est vrai. That's what nous happened. Pouvons en parler. You can speak about it. C'est ainsi aussi. That's why. Vous also, allez pour démarrer le véhicule. Go to start your car. Faut avoir la clé juste. You have to have the wire. Et quand ça démarre, il faut savoir que ça a démarré. You have to know how to start your pour car. Pour savoir que le véhicule est là. To know that the car sinon, is right vous there. Continuerez à faire. Otherwise, you're gonna try. Et vous abîmez le démarreur. And break down the starting. C'est comme maintenant. Today again. Beaucoup aussi de frères et de sœurs. Many people, brothers and sisters, ne savent même pas si le they don't know if they have ou ils n'en ont pas, the Holy Spirit. Ils ne savent pas même comment l'avoir. They don't know how to have the Holy Spirit. Quelle clé il faut avoir. What key they have to have. Et ils continuent. They continue to do the same thing alors over and over ça again. Peut être le moment où ça a déjà démarré. It might be the time that it started il faut already. Seulement accélérer pour avancer. You have to move forward. Lui pense qu'il n'en a pas. They think they don't have it. Et il continue à démarrer demain puisqu'il n'en connaît pas les effets. They don't know the effects. Ce n'est pas quand on a reçu la sensation. Now we have, you have the sensation. Non, plutôt, regardez quelle est la vie qui vient après la sensation. Whether to look for the life that comes c'est after. C'est ce qui peut vous rassurer. That's gonna help you. Que réellement la chose est là. To know that you have the Holy Spirit. Parce que ce n'est pas passager. It's not about something c'est that permanent. By. It's permanent. C'est une vie. This is the life. C'est un changement total. It's a change of life. Ainsi bien aimé frère. So beloved. L'heure est venue this is the time où la véritable Église where the true church ne se soucie pas d'autre chose it's not concerned about anything mais elle else. Cherche à ce qu'elle soit remplie de l'Esprit. He wants to be full of Holy Spirit. Aujourd'hui, on parle de l'unité de l'Église. Today they speak about the unity of the church. On peut se reprocher, frère. You can speak about many things. Il faut que ça soit comme ça. Why do we have to do things this way? Il faut pas parler comme ça. Il faut faire ceci à celui-là. We have to do this. Ce n'est pas ça qui peut unir l'Église. This is not what needs to unite the church. Unir l'Église. That's going to unite the church. C'est ce qui est écrit. This is what is nous sommes baptisés. We have been baptized. Du même esprit. The same pour former spirit, un même corps. One body.
Si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on ne peut pas faire le même corps. Form one body. Nous lisons quoi que nous connaissons. Oui, well, we know. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Voyez combien c'est important, bien-aimés, et lorsque nous prions, que nous puissions prier de tout notre cœur. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons le verset 12 et 13. Verse 12 and 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous êtes là? Are you there, church? Si on n'est pas baptisé, on ne peut pas faire un même corps. If you are not baptized, you cannot form one body. Tout ce qu'on peut faire, everything that we can do, cela ne peut pas créer l'unité de l'Église. That gonna create the unity of the church. L'unité de l'Église, c'est le Saint-Esprit. The unity of the church is the Holy Spirit. La parole de Dieu doit être prêchée telle que. The word of God needs to be preached elle in such a way. Elle soit tellement vraie telle que. Need to be true. Le Saint-Esprit est obligé de suivre la parole. The Holy Spirit needs to follow the word. Et de sceller le cœur de tous ceux qui croient. And to seal the heart of everybody who believes. C'est ce qui peut faire l'unité de l'Église. That's et ainsi chaque membre each member se voit attaché à l'autre is attached to each et one unis of them, tous à la tête united to the qui est Christ. Which is Christ. Si cela n'est pas if this bien aimé frère going to happen, tout le travail que les gens peuvent faire pour l'unité all the work that people ça can ne sera do, jamais l'unité de l'Église. Maybe nothing. Il est important, it is important que l'Église soit unie that the church needs to be et united. Le Saint-Esprit the Holy Spirit est celui que le Seigneur nous a donné is the one that the Lord gave us. Comme je disais autrefois il y a de cela deux semaines as I said 2 weeks ago, lorsque nous parlons when nous parlions disant que le Seigneur nous a tellement il nous a tellement aimé qu'il the prend soin de so nous love us. On s'était posé cette question we, il prend soin question. Et vous qu'est-ce que vous faites he takes care of us il what about you. Il s'est soucié tellement de nous us, que il ne voulait pas nous laisser comme tel. Il a envoyé l'Esprit pour qu'il continue toujours. So may continue always. Ce que le Seigneur faisait, que cela continue toujours. This may continue also. Le Saint-Esprit est la chose qu'il nous faut. C'est that la we part have que chaque croyant is the part of each believer. Bien-aimé peut se dire. Je manque tout, I can lack everything, mais j'ai le Saint-Esprit. But I have the Holy Spirit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, if you do not have the vous Holy n'avez Spirit, pas reçu la chose essentielle. Not have the holy thing vous that pouvez you avoir have. Le vécu, have mais vous n'avez pas reçu la chose essentielle. I don't have the most vous important pouvez avoir thing. Un mariage, can have marriage. Vous n'avez pas la chose essentielle. I don't have the most vous pouvez important avoir thing. Les enfants, can have children. Vous n'avez pas la chose essentielle. Don't have the holy vous pouvez avoir des maisons, ce n'est pas la chose essentielle. Houses. Mais but celui qui a le Saint-Esprit the one who have peut Holy se Spirit dire may say, je manque le diplôme I lack the mais diploma, j'ai l'Esprit. But I have the Holy Spirit. Il y a eu un homme they had a man. C'était Paul, Paul 2 Corinthiens chapitre 12 2 Corinthiens chapitre 12 si vous lisez le verset 9 verse 9 il a prié he prayed. C'était le messager de l'heure he was the c'était messenger un homme of the qui a reçu de grandes révélations received many revelations. Il se vante même il dit qu'il n'a pas été donné aux autres was not given to other people. Comme il m'a été donné as he was en given lisant to me. Vous pouvez vous représenter by reading, you can represent la grâce yourself. Que le Seigneur m'a donné the grace that the Lord gave un to homme me. Qui a eu des révélations such a man that had un revelations. Homme que Dieu a utilisé puissamment such a man that the Lord mais enfin used. Qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Dieu a mis une écharpe dans lui. God put something in him. Une déformation, une maladie, c'est pas. Et c'était une écharpe pour le souffleter. Il dit, il a prié. He prayed. Il a demandé à Dieu, enlève-moi ça. Take away these il dit, things. J'ai prié trois fois. I prayed three times. Mais le Seigneur lui dit, but the Lord ma said, grâce te suffit. My grace is enough for you. Donc tu peux manquer tout. You can lack everything. Mais ce que je t'ai donné gave te suffit. Is enough for you. C'est ça, bien-aimé. That's what vous connaissez about. Encore, il y a quelques semaines, on parlait also de Marthe et Marie. Some weeks we spoke about le Mary. Seigneur est allé the Lord went dans la maison où vivaient Marthe et Marie. The house.
Marie était là en train d'écouter la parole. Mary was listening to the word. Mais Marthe s'agitait. Martha was doing many things. Pour faire beaucoup de choses pour recevoir le Seigneur. To receive the Lord. Elle dit même au Seigneur. She said to the Lord. Que cela ne te dit rien. If this que is tu not vois not ma sœur, elle me laisse travailler. Tell my sister to help me. Je m'occupe de tout. I'll do everything. Elle est là seulement pour écouter la parole. She's listening to Mais the le word. Seigneur lui a dit. The Lord said. Marthe, 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 tu t'agites. You do many pour things. Beaucoup de choses. Ta sœur Marie Your sister Mary a trouvé la bonne part found a good part qui ne lui sera jamais ôtée. That will not lack her. Nous pouvons tout avoir, we can have many mais things. Nous pouvons tout perdre. We can lose everything. Mais il y a une chose qu'on peut avoir But one thing qu'on we ne perdra have, jamais, we cannot lose. C'est le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Quand Dieu a donné à Abraham, When God gave c'était Abraham, un signe dans la chair. The son, the flesh, ses descendants dans leur marche. All his descendants, ils marchaient avec ça. They walk with that dans la son, chair. In the flesh, tout le long de leur vie. All their lives, ils ont eu ça. They had these things, ils n'ont pas perdu. They did not like it. C'est une marque collée. That was the sign, the c'est flesh. Pas quelque chose dans la poche. Not something in the pocket. C'est lié en eux. It's bound in ils them. Étaient avec ça. They had these things, tout le long de leur vie. All day long, tout le long de leur marche. All their lives. Mais. But. Même quand ils étaient dans le désert, when they were in the desert, quand ils sont arrivés de l'autre côté, when they went to the other side, les enfants qui n'étaient pas circoncis, children were not circumcised, on les a circoncis. They circumcised them. Et nous savons ce que dit la Bible là-dessus. You know what the Bible say about Mes soeurs ne peuvent pas te dire non. Quand une femme est mariée, elle est circoncis par son mari. When a woman is Et married, dans le Seigneur aussi, Paul dit Paul say, dans Corinthiens, First Corinthians, il n'y a pas quelqu'un qui est libre. There's no one. Who's free. Il n'y a pas une femme libre. There's not a free woman. Non, nous avons un époux. We have a spouse. Nous sommes comme la Bible dit, sans, il n'y a personne qui est sans mari. There's nobody with, dans le Seigneur. Without spouse in nous the Lord. Avons un époux divin. We have a Ainsi, spouse. Nous avons été nous circoncis. We are circumcised. Non pas de la circoncision qui est faite de main d'homme. Not by circumcision, mais made cette by flesh. Circoncision, by circumcision, elle est là pour toujours. Forever. Pour toujours. Forever. Si cela après que la chair part, after the flesh is gone, c'est tout, la circoncision d'Abraham termine. That's all the circumcision. Mais nous sommes circoncis de la circoncision, from the circumcision de l'esprit of the spirit, spirituel spiritually, qui consiste which is consist, dans le dépouillement. So the taking away, et c'est notre cœur qui est circoncis. Our heart is circumcised. Tous les superflus sont partis. All the things taken away, nous sommes scellés pour toujours. We are saved forever, car le Saint-Esprit. Because the seal c'est of the le sceau de Dieu. The seal of God. Nous les hommes, oh, man. Quand nous voulons même choisir des amis, we want to choose the friends, nous faisons avec beaucoup d'erreurs. We do many mistakes. Vous pouvez choisir quelqu'un, can choose demain somebody, il vous déçoit. And tomorrow is going vous marchez, to vous marchez, you. Après il vous walk, déçoit. Walk, you are Mais le Saint-Esprit, But the Holy Spirit, il n'y a pas de favoritisme. There's no favoritism. Dieu ne le donne pas à God quelqu'un does not give them qui va le décevoir. The one going to deceive non. Him. No. Pour que quelqu'un vous donne la clé de la banque, you know, to have the key of ou the de bank, sa caisse, of the ce qu'il vous a fait confiance. He has confidence le Seigneur donne le Saint-Esprit, the Lord give non the pas Spirit, quelqu'un qui va agir expressement. Not to everybody. Moi je veux pécher. I Moi je veux. Non, 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 no. Il est sûr He's sure que celui-ci, this man, il ne pourra plus pécher volontairement. Not sin anymore. Il est garanti. He has guarantee. Et comme lui connaît le lendemain, he knows tomorrow, il nous donne he gives us pour que so that plus jamais, never more, plus jamais, never. Nous n'allons pas pour, nous n'avançons pas pour reculer encore. Don't go forward to go backward. Il nous donne c'est pour toujours. He gives us forever. Comme il est dit alors, is this written? Vous prenez toujours. Check the Bible. Cela est de quoi que nous connaissons, mais il y en a toujours les Écritures les éclairent aussi. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, chapter 4, verse 30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc jusqu'au jour de la rédemption. Until the day of redemption. On n'a pas, bien aimé, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. We cannot receive the Holy Spirit today. Demain, on revient au monde. And tomorrow, go back to the world. Après, non, non, ce n'est pas le Saint-Esprit. This is not the Holy Spirit. Le prophète dit, the prophet il y a beaucoup say, de gens, quand il parle en anglais, il dit, speak in English, il y en a beaucoup qui sont en train de walk on it.
Donc ils sont encore en train de travailler sur ça. Pour mais ils ne sont pas encore chrétiens. They are not Christian. No. Puisque quand vous l'êtes, c'est-à-dire que vous avez reçu le sceau, you receive the seal. Dieu vous a agréé, ce n'est pas que bon, les erreurs ne se présenteront pas dans votre chemin. They will always mais be jamais vous redeviendrez mondain, jamais. Go backwards. Jamais. Never. Vous êtes scellé, c'est pour aller de l'avant. La Bible dit the jusqu'au jour. Until the day. Lui-même, quand il voit sa vie himself, when he sees et qu'il life, travaillait dans les trains ici, he worked in the railroad. Ils étaient en train de charger they were loading. Les wagons. Oh. Il dit, quand vous chargez les wagons, the containers. Quand vous chargez le wagon, when you load the containers, vous travaillez. You work so hard. Vous travaillez, vous arrangez you tout. You work, you fix everything. Et l'inspecteur inspector va venir comes et regarder ce que vous avez fait. And look at everything. Avant de mettre le plomb, le seau. Before he said it. Il doit voir que tout est bien arrangé. Everything. Et le conteneur est plein comme il doit être. The container is full. Et il met le seau. And put the seal. Quand il met le seau, and put the seal, les travailleurs ne font plus rien. The workers don't do anything. Et en chemin, on the way, vous ne pouvez pas ouvrir. You cannot open. C'est jusqu'à la destination. Until the destination. Jusqu'au jour. Until the destination. Et quand Dieu nous scelle du Saint-Esprit, when the Lord seals us, ce n'est pas pour Holy Spirit, que à la prochaine réveil, it's not that afterwards, quand Dieu va susciter encore un autre serviteur, the God will non, rise up, not a servant. Il vous donne le Saint-Esprit, he give you the Holy c'est Spirit, jusqu'au jour until the day de la rédemption. Of the redemption. Vous n'êtes pas candidat à revenir dans le monde. You are no longer a sinner. Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait régner. No longer a sinner. Vous n'allez pas reculer. Now go back. Vous avez reçu le sceau, you receive the seal, vous irez jusqu'à la fin. Until the day of the end. Bien-aimés, frères et sœurs, beloved brothers and sisters, dans l'œuvre de Dieu, the work ne of God, prenons pas les choses comme les gens les pensent. Nothing, les gens pensent que c'est comme si Dieu travaille comme vous les hommes. Like God works as men. Oh non, frère. No brother. Il ne comprenait pas encore. Non, you don't il n'avait pas encore cru. Did not believe. Quand quelqu'un croit, if you believe, quand quelqu'un croit, when somebody believes, il y a quelque chose qui se passe. Something happened. Du moment qu'il croit, the time he believes, Dieu voit la manière dont vous croyez. That's the way you believe. Il vous donne le Saint-Esprit. He give you the Holy Spirit. Sur base de la foi. Based upon the faith. Et c'est un sceau. That's the seal. C'est pour toujours. Forever. C'est pas que vous voyez quelqu'un venir à l'église. Now you see somebody coming to church. Une année, deux ans, trois ans, d'autres même 10 ans, 20 ans. Ten years. Mais il a toujours un problème. He has the same problem. Si, pour les choses élémentaires. If the elementary things. On peut pas le convaincre sur l'habillement. He cannot be convinced about. On peut pas le convaincre sur the way we dress. Les boucles d'oreilles, les ceci. Bunch of rings. Comment voulez-vous? Il n'a pas cru. Never believe. Point un trait. Period. Quand quelqu'un croit, if ce n'est pas believes, un processus. It's not a process. Ce n'est pas un processus. It's not a process. Le salut, c'est à la seconde. Salvation. Le moment second, où tu crois là, quelque chose s'opère. Something happened. Vous avez le dégoût du monde. You have a lack et of vous the world. Désirerez you desire faire la volonté de Dieu. To do the will of God. Et Dieu vous donne la force. God give you strength. Et le Saint-Esprit vient en vous. The Holy Spirit Dieu comes voit in la you manière dont vous croyez. God sees the way you believe. Il ne s'agit pas de jeu. It's not about a game. La mort du Seigneur. The death of the il Lord est mort pour ça. He died for pour that. Libérer l'esprit. To give et up the en spirit. Libérant l'esprit, by giving c'est up pour the que sa vie vienne sur nous. His love comes in us. Pour que nous qui croyons au sang, so that we la vie qui était dans le sang, the life in vienne blood sur nous. Comes in il us. Vient par le Saint-Esprit. Comes to the Holy Spirit. Si vous ne connaissez pas, if you don't know, ce que c'est le Saint-Esprit, what is the Holy Spirit, comme je le disais tout à l'heure, as I said earlier, vous ne savez pas quand il démarre, quels sont les effets, vous ne pouvez pas l'avoir. You cannot have it. Oui, yes. Je m'appuie sur la parole. Pas seulement ce que le prophète a dit, nous ne disons pas seulement le prophète says, a dit, mais nous trouvons là, dans les Écritures book, ce que nous parlons. Et regardez ce que dit la Bible là. Look what prenez, say. Et ça, pour moi, quand je le lis, je ne sais pas si vous sentez aussi la même chose. I don't know how you feel. Regardez, Jean chapitre 14. John 14.
Je lis à partir du verset 15, mais c'est le verset 17 qui m'intéresse. Verse 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. Verse 17. L'esprit de vérité que le monde peut recevoir. Non. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Amen. Vous suivez? Amen. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas l'avoir. If you don't know him, you cannot have it. Mais vous le connaissez, you know it. Car il demeure avec vous et il sera en vous. It will be in you. C'est ça le Saint-Esprit. That's the Holy Spirit. Ceux qui ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas l'avoir. Those who does not know him cannot have it. Si vous ne le connaissez pas, if you do not know him, si vous ne connaissez pas ce Christ-là, if you don't know Christ, quelle est la mesure qui vous fera dire que vous l'avez eu? What's the measurement that shows that c'est you la have vie. It? That's the c'est life. Sa vie qui vient sur vous. His life comes upon you. Puisque je vis, vous vivrez. Because I live, you also c'est ce live. Qu'il dit. Il veut mener sa vie en nous. He wants to il veut prolonger ses jours en nous. Wants to prolong his life in le us. Monde ne peut pas le recevoir. The world cannot have puisqu'il it. Ne le connaît pas. Because they don't know him. Et il ne peut pas l'avoir. Cannot have it. C'est lui qui ne le connaît pas, il ne peut pas l'avoir. The one who does not know him, il va voir l'onction, il dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh, quand have nous étions dans experience. Le groupe de prière, j'avais reçu le Saint-Esprit. Avec une fausse doctrine, false tu croyais à la Trinité, Dieu t'a baptisé du Saint-Esprit. Having the Holy ce Spirit. N'est pas ça. That's not what vous we're avez talking entendu about. Le frère Frank dire Frank. Dieu ne scelle pas l'erreur. God cannot il faut see que ça mistakes. Soit la vérité. To be the la truth. Parole a été classée. The word of God was et classified. Il vous scelle, c'est pour toujours. Sealed forever. Quand il vous scelle, when he sealed you, il vous donne la capacité pour que la parole que vous croyez, give you the ability vous soyez capable de l'exécuter, to de la vivre. The word of God. Il y a des gens qui peuvent dire, there are people who can je say, sais que fumer c'est mauvais, I know that mais il n'a pas la force. Does not have the strength. Vous arrivez à le faire, pourquoi? C'est puisque Dieu vous a donné la force. God gave you strength. Vous pouvez refuser quelque can chose. Refuse something. Vous pouvez dire non. You can say no. C'est la force. That's the strength. C'est une puissance. You have the power. Survenant sur vous. Coming et upon c'est you. Ainsi que vous irez de progrès en progrès. Move forward. Puisque le Saint-Esprit vous vient au secours. Because the Holy Spirit helps you. Les choses que vous faites avec erreur, c'est puisque Dieu ne vous a pas révélé. Things that you do with mais mistake. Le jour qu'il te révèle, tu vois que tu prends. The day you tu possèdes. You have it. Il y a des choses things, vous entendez peut-être, mais hear, ça n'a pas encore été si clair pour toi. You. It's not, it's mais not le clear. Jour que Dieu te révèle, tu vois que le Saint-Esprit prend la chose, il te la dépose. The Holy Spirit takes tu agis, over, tu vis. You act, you live. C'est cela l'esprit que nous voulons. That's the spirit that we need. Mais ce n'est pas l'esprit du monde. It's not the spirit of the vous world. N'avez pas reçu l'esprit du monde. You now receive the Holy Spirit nous from avons the world. L'esprit de Dieu. We receive the spirit of God. La vie de Christ vient sur les croyants life of Christ pour continuer la même vie. To, et comme to je walk. Vous l'ai dit ici, le monde ne peut pas le recevoir. The world cannot have car it. Il ne le connaît pas. They don't know anything. Et il ne peut demander quand il demande. You can ask. Il demande soit pour voir les miracles. They ask to have miracles. Il demande soit pour voir ceci, cela. Such a thing. Ce sont des dons. These are gifts. Ce n'est pas encore ça. This is not what we need. Mais la chose là, but the main thing, ne peut le recevoir que ceux qui le connaissent. Those who know him have it. Et le monde ne peut pas le recevoir. The world cannot have mais bien-aimés frères, but beloved, nous pouvons prendre beaucoup de choses que nous pouvons dire autour du Saint-Esprit. Okay, il est le consolateur, comme vous pouvez lire ici. Il est comme je le disais tout à l'heure, said, quand Eli, le Seigneur a trouvé, il aimait tellement les siens, he so loved il les people. A tellement aimés, so mais il devait them. Partir. He wanted to come, to, il to a go. Voulu que le Saint-Esprit vienne pour continuer avec eux. Quand il était vivant, when he was alive, dans la chair, in the flesh, il pouvait leur dire, he could say, quand ils étaient malades, il les guérissait, when he was sick, il leur parlait them. Du royaume à venir. Spoke about the, je m'en vais vous préparer une place. I'm going to prepare il a place les consolait. He comforted them. Il était un secours, miséricordieux, merciful, compatissant merciful avec eux. With them. Mais maintenant, afterward, étant mort,
being there, la chose qu'il a voulu que l'église puisse obtenir, that the church needs ce to n'est have, pas le bâtiment, it's not the, ce n'est the pas house, quoi que ce soit. It's not anything else. Il a voulu que l'esprit vienne, he wanted the spirit pour to be continuer to, ce que le to Seigneur Jésus faisait, what the Lord was pour doing. Que cela continue avec nous. Il est encore miséricordieux. He's merciful. Quand nous voulons prier, when we want to pray, lui, il est compatissant. He's merciful. Nous ne savons même pas prier. We don't know how to nous pray. Savons même pas ce qu'il nous convient de demander. We don't know what to mais ask lui, for. L'Esprit, but the Spirit, il prend ce qui est en nous he takes what is par in le us, soupir inexprimable. By il le fait présent à Dieu. He present to God. Vous êtes là? Are you there, church? L'Écriture parle de cela dans Romains 8. The scripture says in nous Romans 8, savons même pas prier, vous connaissez? We don't know how to pray. Donc, il est l'intercesseur pour nous. He's intercessor for us. Romains chapitre 8. Romans chapter 8. Il est dit, à partir du verset 26, verse 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit est l'intercesseur. The Holy Spirit is intercessor. Et c'est lui qui intercède pour he's nous. The one who intercedes for si us. Quelqu'un if somebody a péché, nous avons sinned, auprès du Père un intercesseur. Lord, intercessor. Il nous convainc d'abord du péché. He et il prend sin, ce qui est en nous. What is in il us, présente à Dieu. Present to God, il prend ce qui est de Dieu. What is il met dans God, nos cœurs. Put in our il nous faut le Saint-Esprit. We need Holy Spirit. Je disais donc brièvement, bien-aimé, le Saint-Esprit est ce qu'il nous faut. The Holy Spirit, la vie chrétienne, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Which in life is about ce Holy n'est pas la connaissance. It's about knowledge. Ce no, n'est pas seulement la justification. Not justification. L'heure est venue. Où time, la véritable Église doit faire l'expérience réelle has to have avec le baptême du Saint-Esprit en nous. With the baptism of Holy Spirit, le Saint-Esprit en nous, the Holy Spirit c'est in ce us, qui nous montre réellement that's what we need, que Christ nous a agréés. Puisque quand nous nous faisons baptiser, when we baptize ourselves, c'est notre décision vis-à-vis de Dieu. It's our decision. Nous disons, je m'engage, you say, I engage myself. Je me fais baptiser. Mais pour que Dieu te réponde qu'il t'a accepté, to God to il te baptise du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il t'a accepté. He accepts il accepte la façon de croire. He accept the way you believe. Ce n'est pas que tu connais tout. It's not that you know everything. Non, mais tu crois de tout ton cœur. You believe everything. Et tu crois correctement. You believe correctly. Tu n'as pas de doute. Do not have le doubt. Seigneur te scelle, te donne le Saint-Esprit. The Lord sees you. Regarde les disciples. Look disciples. Je prends seulement cela avant de prier. I take this before praying. Pierre par exemple. Regardez Jean. Peter for regardez ce qu'était leur vie. John their lives. Ils n'étaient pas riches. They were not rich. Ils n'avaient pas de beaucoup de biens. They did not have many things. Mais ils avaient quelque chose. But they had spirit. Au point où quand ils passaient, in ils sont arrivés devant le temple. They went to the temple. On leur a amené quelqu'un qui venait là-bas. Qu'on venait de poser pour qu'ils demandent. They were asking something. Et cet homme leur a tendu la main. Pierre lui a dit, fixe-nous les regards. He said, look at us. Vois-nous bien. Stay on nous us. Nous n'avons ni or ni argent. We don't have gold. Mais ce que nous avons, what we have, ce que j'ai, je what te we le have, donne. We give you. Donc il avait ça. He has c'est thing. Le Saint-Esprit, c'est la part du croyant. The Holy Spirit is a share. Comme je l'ai eu à le montrer autrefois. Regardez dans l'Ancien Testament. In Old quand Testament. Les Lévites, par exemple. When Leviticus people, les Lévites n'avaient pas de part. Levitic people did not Dieu have part. Ne leur a pas donné des portions de terre comme tous les autres. A portion of the land. Et ils travaillaient seulement là-bas. The works in the temple. Et Dieu leur a dit que moi je suis votre part.
I say, I'm your part, your quand share. Quand vos frères vont travailler, when your people work, ce qu'ils amèneront à moi, what Dieu, they brought to you, ça sera pour vous. It's going to be your share. Le 1/10. Oh, donc the Dieu tenth. Était la part pour les Lévites. God was the share for c'était the Levites. C'était ça leur part. That was the share. Ils n'avaient pas part avec les autres. They did not have other things. Mais leur part c'était Dieu. But the share was et God. Et cela leur suffisait. That was enough for c'est them. C'est l'année de même aujourd'hui. It's the same today. Nous n'avons pas de part avec le monde. We don't have other things. Mais il y a quelque chose que nous ne manquons pas. We have something. Dieu nous a donné Christ. God gave us Christ. Christ nous a laissé l'Esprit. God gave us the Spirit. Le don de Dieu à l'humanité. The gift of God for le don de Dieu à son Église. For the church, c'est Jésus-Christ. Jesus Christ. Et Christ nous a donné l'Esprit. Christ gave us the Spirit. Il a répandu l'Esprit sur he nous. Shared the Spirit on il us. Faut que chacun ait sa part. We have to have the share. Alors quand ils sont venus devant cet homme, when ils ont dit, regarde-nous bien. He said, look at us. Nous n'avons ni or ni argent. We have gold and silver. Mais ce que nous avons, but what we have, nous te le donnons. We give you. Au nom de Jésus, in name of lève-toi Jesus Christ, et marche. Stand up and walk. Ils l'ont tenu. They took him. L'homme s'est levé. That man walked. Il a commencé à marcher. And he walked. Et pendant il est entré dans le temple sautillant. He glorified God. Louant le Seigneur. Et avec ça, after that, le bruit est allé. They were groaning. On a arrêté Pierre. On a arrêté les disciples. Peter. On les a amenés devant le Sanhédrin. It took them on devait les juger pour un bienfait. They judged them for something la chose good. Va se répéter encore maintenant. The same thing is going to nous happen serons again. Jugés puisqu'on vous dira qui vous a autorisé de faire ce miracle. We'll be judged for something good. Et did. Ils ont commencé à répondre. They answer. Quand ils ont parlé when they spoke, et qu'ils ont démontré que c'est Jésus-là and they showed that this que vous is avez Jesus crucifié that you crucified, et c'est en son nom in his name, que ce miracle a eu lieu. That this miracle happened. Alors, ils ont vu l'homme. They saw the man. Il avait plus de 40 ans. Le miracle more than était 40. Évident. The miracle was ils n'avaient evident. Pas moyen de faire autrement. They could not do anything else. Ils les ont fait sortir. They took that man ils sont out. Restés entre eux. They were alone. Ils ont dit they say, comme, que devons-nous faire? What can we do? Le miracle est tellement évident que nous ne pourrons pas nier ça. That we cannot deny that. Il y a des miracles qui se passent there parmi miracles nous, that happen, mais que les gens peuvent douter. People can ignore. Hein? J'étais malade, j'avais des maux de ventre. I was sick. On a prié. People pray. J'étais guéri. I'm healed. Il n'y a pas de preuve. C'est vous seul qui avez expérimenté. You experienced et nous, that. Les croyants ici, nous disons oui, notre frère a été we guéri. Believe, we mais believe. Les incroyants, vous n'avez aucune preuve. But unbeliever need mais proof. Il y a des miracles évidents. There are evident miracles. Que même un païen even a pagan ne sait pas dire autrement. Cannot deny it. Comme l'homme qui ne voyait pas, is a blind, on ouvre les yeux, opened, il commence à voir sight, la main coupée, la main pousse. Empty-handed. Comment vous pouvez nier ça? How can you deny that? Ça devient quelque chose d'évident. It is evident. Le Seigneur va répéter ça. The Lord will do the same thing. Avec cette pluie que nous attendons. With the light rain. Mais déjà maintenant. Today again. Ce n'est pas que nous attendons la pluie. It's not that we're waiting for the light rain. Si vous mourrez aujourd'hui. If you die today. Avant la pluie. Before the si vous n'êtes pas baptisé. If you're not baptized. Vous n'allez pas ressusciter à la première résurrection. Now rise up again. Vous n'irez pas dans l'enlèvement. Now go to rapture. L'Église cherche à expérimenter le Saint-Esprit déjà maintenant. The church wants to experience the Holy Spirit today. Alors les disciples. Disciples. On les a fait sortir. They took them out. Ils se sont bon. Le miracle est évident. Miracle que devons-nous faire? What can we do? Ils ont dit non. They say yes. Comme la chose est comme ça, interdisons-le seulement. We have to abide. De ne plus parler au nom de cet homme-là. People to speak ils about ne voulaient pas citer le nom de Jésus. They did not want to speak on about leur Jesus. Donne l'interdiction formelle. They give them on va les secouer. They mais shake them. On va leur dire ne plus parler au nom de cet homme. Do not speak about that man. Alors ils ont repris la résolution. Ils ont dit aux disciples, they said to disciples, vous partez d'ici, go from here, ne parlez plus au nom de cet homme-là. Don't speak about that man. Pierre leur a dit, Peter said, jugez-en vous-même. Judge yourself. Devons-nous obéir à vous? Do we have to obey ou bien to you, à Dieu? Or to God? On ne peut pas obéir aux hommes. We cannot obey to même men. Si cela doit nous coûter le mariage. Even if même si cela doit nous coûter n'importe don't quoi. Have to get married. Est-ce que vous suivez? Are you there, church? Oui. Yes.
On n'encourage pas les divorces. You don't encourage divorce. Mais ceci doit être clair. But this is evident. Ne mettez pas dans la balance. Not taking the, Dieu the scale. Et God votre père. And your father. Dieu et votre mari. God and your Dieu your et spouse, votre femme. God and your Dieu wife. Dieu et votre ceci. God and non. No. Dieu est votre père. God Dieu est father. Votre mère. Dieu. God non. And your mother. Il n'y a pas de mesure. There is no scale. Dieu d'abord. God first. Vous avez difficile à dire amen. Why you don't want to je ne voudrais pas vous persuader avec vos temps d'écriture. Le Seigneur a dit lui-même dans Matthieu 10. The Bible says Matthew 10. Je ne suis pas venu donner la paix, mais l'épée. I came to give sword. Là où il y a l'épée, c'est pour diviser. Where there's sword to divide. Si quelqu'un ne peut pas croire, if somebody cannot believe, la seule raison pour le divorce tel que cela a été écrit, the only reason for the divorce, quand quelqu'un ne peut pas accepter la vie de Dieu. If somebody cannot believe the love of God, que le non-croyant s'il se sépare, qu'il se sépare. Unbeliever, if you want to le frère ou la sœur n'est pas lié dans ce cas-là. Le frère ou la sœur ne peut pas vendre le droit de naissance. They cannot have to sell the birth écoutez, of wife. Bon, pour avoir de l'argent, to have money, comme une sœur, as one sister. Elle est même ici en Amérique. She's here in America. Je ne veux pas citer la ville où I elle don't est. Want to mention elle m'avait appelé pour me dire, mais écoute, she, frère, moi, she, le mariage, mon mariage était comme ceci. Le problème said, que j'ai eu, c'est que l'homme voulait qu'on puisse sacrifier l'enfant. The man wanted to sacrifice the child. J'avais refusé. I refused. Les problèmes ont commencé par là. Problem started from there. Et mais comment voulez-vous? What do you want? Puisqu'il faut obéir à l'homme. You have to obey to man. On va entrer dans des religions. We have to go on to va entrer dans des choses perverses. Going to many things. Non, bien-aimés frères. No, beloved. Vous devez comprendre. You have to understand. On n'y a pas de point commun là-bas. Don't have many devons-nous points. Obéir aux hommes ou à Dieu? Do we have to obey to God or man? Vous suivez ça? Are you there, c'est pourquoi nous encourageons we encourage les jeunes gens, les jeunes filles, young people, vous qui n'êtes pas encore mariés, mariez-vous dans le Seigneur. You have to get married into the sinon, Lord. Vous vous retrouverez devant cette question. Otherwise, devons-nous obéir aux hommes ou bien à Dieu? Do we have to obey to God les hommes men? Vont vous conduire petit à petit. Men will lead you et to ils, the world. Ils veulent même qu'on les appuie dans leurs bêtises. Oh, la femme ne m'obéit pas, frère. The wife does not mais obey je vais parler à ta femme ou toi-même si tu obéis à Dieu. Be l'écriture ne commence pas par femme obéissant à vos maris. Non. L'écriture commence quand Paul parle dans Corinthiens. 1 Corinthiens 11. Il dit d'abord, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de God tout homme. The chief of, est-ce of que Christ, tout homme, toi Christ l'homme, tu obéis à Christ? You obey to Christ, pour que la femme aussi te soit obéissante. So that the wife can be obedient toi to même you. Tu n'obéis pas à Christ. You don't believe Christ, you don't obey mais to Christ. Tu veux seulement que la femme te soit obéissante. But you want your wife to obey c'est prendre to le you. Verset au milieu. You, toi d'abord soumets-toi à Christ. You have to submit yourself to Christ. Et c'est ainsi que tu vas exercer une bonne domination. And you may submit avec amour. With love. Et elle te sera aussi soumise. It's going to be the same ça way. Vient de l'esprit. It's go by spirit. Mais quand la chose n'est pas ainsi, but if it's not that way, on prend les choses sans dessus dessous. Take things d'autres, up and down. Même pas de mariage, c'est there's no ce marriage. Sont des boy girlfriend. Girlfriend, on, boyfriend. Vous époumonez, vous parlez. You speak, you mais speak. Mais après vous dites, afterwards, on vient vous révéler, mais n'étiez même pas marié. You are not married yet. Vous vous dites, mais c'est quoi? Say what happened. Devons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Do we have to obey to God? Alors ici, ils ont obéi à Dieu. Here they obey God. Ils ont refusé. They refused. Mais regardez ce qui est merveilleux, bien-aimé. But look what happened. C'est que quand on les a... J'espère vous me suivez. Quand on les a fait partir... When they got there. La Bible dit, the Bible said, ils ne sont pas partis se plaignant. They did not go complaining. Puisqu'on les avait flagellés. Avant de les interdire de parler, on them. Les a frappés. Them. On les a maltraités. They struck them. Et puis on leur a dit, alors finis, ne parlez plus they au nom say, de cet go, homme. Don't speak about that man. La Bible dit, ils sont allés vers les leurs. They went to their own. Et quand ils sont arrivés vers les leurs, when they went, ensemble ils ont levé les mains together, they lift out their hands, pour demander à Dieu to ask God, qu'il leur donne le Saint-Esprit to give them Holy Spirit, pour qu'ils parlent avec l'assurance. So that they may speak with assurance. Le Saint-Esprit venant à nous nous donnera du courage. The Holy Spirit give us il nous donnera strength, l'assurance gives us pour que assurance, nous puissions parler et prêcher cette bonne nouvelle. To speak, to preach the gospel. Oh mes frères, lisons ça. Let's read it. C'est l'exemple que j'ai voulu que nous puissions partager avant de prier.
Regardez, qu'est-ce qui nous freine aujourd'hui? Quand on regarde l'état de l'Assemblée, l'état de l'Église, vous voyez que nous manquons le courage parfois de dire certaines choses, même de témoigner de Dieu, puisque quelque chose ne va pas. Il faut que nous soyons remplis de l'Esprit. You have to be full of Holy Spirit. Regardez à partir du verset 19, acte 4. Acts Pierre 4, et Jean 19. Leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de la guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit et par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est ce qui s'est passé. That's what happened. Ils ont demandé. They ask. Et là, le prophète dit, regardez, ils ne sont pas allés vers les groupes dénominationnels comme pour se plaindre. Maintenant, nous sommes menacés. Qu'allons-nous faire? Joignons-nous même à ceci? Faisons des compromis avec eux? Non. Mais ils sont allés vers les leurs. They went to their own. Et ensemble, together, ils ne se sont pas commencé à se plaindre. They did not complain. Frère, ça ne va pas. L'église, ça ne va pas. Non. Church, something ils ont on. Ensemble élevé leur voix. They lift up their voices vers Dieu. To God. Pour qu'il leur donne encore l'assurance. Give them assurance. Pour prêcher. To preach, pour parler de Dieu. To speak about avec God. Assurance. With assurance. Frère, sœur. Brothers, qu'est-ce qui nous manque? Well, like c'est cette assurance-là. Assurance. Le Saint-Esprit, l'assurance. The Holy Spirit, the assurance. Le Saint-Esprit donne du courage. The Holy Spirit gives strength. Il leur disait, attendez. Say, leave, quand vous wait, l'aurez, when you là have, vous allez parler. You have to speak. Puisque avant, before, Pierre avait peur. Peter was il afraid. Ne pouvait pas se tenir devant ces could gens-là. Not stand before these people. Quand on arrêtait Jésus, when they arrested il s'est Jesus. Caché derrière le feu là-bas. He was hidden. On lui dit, mais c'est toi aussi l'un d'eux. Il dit, non, ce n'est pas moi. Said, this is not le coq chante. On lui dit encore c'est toi, il dit non, ce n'est pas moi. You, say, this is not me. Mais maintenant, today, étant rempli de l'esprit, full of Holy Spirit, il peut avoir le courage et leur dire to speak. Devons-nous vous obéir have to obey ou bien to craindre you Dieu or fear God. Si on ne l'a pas, frère, if you don't have on it, ne peut pas faire ça. You cannot do this. Nous avons besoin. We need. Regardez, look, même nos familles, our families. Qu'est-ce qui ne va pas? What's going on? On n'a pas ce courage. Don't have that courage. Les gens nous fréquentent. Les people gens viennent vivre avec with nous. Us. Mais personne n'arrive même à les convaincre. Nobody can persuade them. Quelque chose ne va pas, frère. Going on. L'église ne peut pas grandir, ne peut up. Pas s'affermir par le seul prédicateur. Même preacher. Si j'ai fait de n'importe quel enseignement. Never. Ce n'est pas l'œuvre de chacun de nous. Each one of us need to il faut do something. Que chacun de nous soit rempli de l'Esprit. We have to be full of Holy Spirit. Si vous voyez ces gens, if you see these people, c'était pas seulement le pasteur, not only the c'était pastor, pas seulement Pierre, not only Peter. Tous,
All of them. La Bible dit ils furent tous the Bible say all remplis of them. Du Saint-Esprit. They were full of Holy Spirit. Et regardez la suite. Look the concern. The celui qui est allé là-bas, Philippe. Philippe. Acte chapitre 8. Acts. Il est allé, il arrive à Samarie. He went to Samaria. Il a prêché. He preached. Les gens ont cru. People believe. Et au verset 14, on vous dit, verse 14, on a fait venir Pierre et Jean pour qu'ils prient, pour qu'ils reçoivent aussi le Saint-Esprit. So quoi qu'ils étaient spirits, baptisés déjà au nom de Jésus. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Mais qui a fait? Ce n'était pas Pierre. No, ce n'était pas Jean. No, John. Mais Philippe, but Philippe est allé et témoignant. Went and preach. Il a témoigné du Seigneur. Preach about si vous voyez, Lord. Après cela, afterward, Pierre va vers Corneille. Peter went to Cornelius. Il parle avec assurance. He spoke with les assurance. Gens reçoivent aussi le Saint-Esprit. People receive Holy Spirit. Mais il vous arrivez dans Acte 18. Acts 18. Ce n'était pas Pierre. Now ce n'était pas Paul. No, ce n'était pas bon, Pierre. Paul n'était même pas Paul encore. There. Paul, là, il était déjà là dans Acte 18. He was there. Ce n'était pas encore tous ces apôtres que vous connaissez. Ce n'était pas non plus Philippe. Non, Philippe. C'est Priscille et Aquilas. Priscille et Aquilas. Ils ont trouvé quelqu'un. They found somebody. Ils l'ont mis à côté. They brought him. Ils lui ont exposé plus exactement. They explained him the word of God. Partout où étaient les disciples, c'était comme des boules de feu. Ils témoignaient avec assurance, puisqu'ils ont vécu une chose. Le Saint-Esprit en vous ne vous laissera pas tranquille. Vous témoignerez. Vous témoignerez de ce que Dieu a fait pour vous. Vous parlerez de cela à vos autres. Everybody. Et le Seigneur and the Lord sera avec vos paroles. Be with your words. Il fera des signes, des miracles. He's going to do signs and oui, miracles. Bien yes. Aimé frère, ce qu'il nous faut, what we need. Ce n'est pas tout ce que nous courons monter. Now we go up ce and qu'il down. Nous faut, c'est le Saint-Esprit. We need the Holy Spirit. Et nous devons le désirer. We need to desire ces gens ici, people, ils étaient baptisés they were baptized, le jour de Pentecôte. The day of Pentecost. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. They were baptized of Mais Holy Spirit. Là, ils ont prié. They prayed. Ils furent encore remplis du Saint-Esprit. They were full of Holy Spirit. Est-ce que vous suivez ça? Are you there, church? Alors, l'église, church. Qu'est-ce que nous pouvons faire ce soir? What do we need? What qu'est-ce do que nous we pouvons demander do? Encore de plus? What can we ask again? Après avoir lu de pareilles écritures, after reading such nous words, pouvons que nous tous oui, aller vraiment à genoux de tout notre cœur et demander together. À Dieu, remplis-moi, Seigneur. Fill remplis ton Spirit. Église. Remplis ton church, peuple. Aide-nous help pour us. Que sortant d'ici, so nous puissions parler him, aussi avec assurance. To speak with aide-nous assurance. Aussi help pour us que la vie de Christ so that the life puisse of couler à flot, que les gens voient notre témoignage, see our que nous brillions comme la lumière. We need to alight, aide-nous, Seigneur, help us, à pouvoir comprendre to understand et à vivre and to live totalement totally ce que ta parole nous dit. What the Bible car say, sans l'Esprit, nous ne pourrons Spirit, même pas la moindre des choses. We cannot move forward. Le prophète Branham dit the prophet used to laissez say, la cigarette leave cigarettes. Ce n'est pas avoir le Saint-Esprit. It's not to have Holy Spirit. Oui, il y a des gens qui ne fument pas there are people who don't smoke. Depuis leur enfance. Since they est-ce qu'ils sont remplis child, de l'Esprit? They, non. They avoir le Saint-Esprit, c'est une vie. Having Holy Spirit, nous voulons is cette life. Vie de Dieu. We want that life. Que le Seigneur nous aide. May the Lord et que le fruit, the fruit, tel que c'est écrit dans Galates 5, as it is written, puisse nous accompagner. L'amour, love, la paix, la joie, la bonté, toutes ces choses. Things, nous avons besoin de ça. Lèvons-nous ensemble, mes bien-aimés. Et prions de tout notre cœur. Demandons à Dieu qu'il nous remplisse. To fill que us, nous soyons remplis. We feel, là où il y a l'Esprit. Where le Seigneur Spirit, fait des signes. The Lord needs des témoignages. Signs, qui montrent qu'il est là. That shows that nous avons besoin de toutes ces choses. We need these things. Nous avons besoin des dons, des manifestations. We need gifts. Dans l'église, car il s'agit de l'église du Dieu vivant. It's all about the church of nous God. Chantons le numéro 47. We sing 47. Le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is le there. Grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de lui ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités.
grand du Seigneur.